Allez, donc petite vidéo sur esthétique mélodie. C'est écrit mélodie esthétique parce qu'on a mis le jeu en français. C'est apparemment un platformer, un jeu indépendant donc sorti le 18 avril sur Steam au prix de 3$. On va découvrir ça. Je mets nouveau jeu. J'ai peur. Et j'ai peur parce qu'il a vraiment une gueule chelou. Ça a l'air d'être ultra rétro. Dans le genre vraiment bien rétro. Waouh! Croyez en vous. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah! Nous sommes face à. Ah, attendez. Ouais, c'est bon, le son est bon, le son est bon. Nous sommes face à un gameplay à la VVVVV. Ah, d'accord. Il n'y a pas beaucoup d'animation pour la mort en tout cas. Il faut ramasser des télécommandes, on dirait, pour allumer la télé. Il faut atteindre la télé. Rêver en couleur. Waouh, ça a l'air chelou, les mecs. Ah, inutile de dire que ce n'est pas un jeu à gros budget. Moi, je m'en tape des jeux à gros budget. En tout cas, la musique colle parfaitement à l'ambiance. Années 80. Alors le but, comme vous l'avez remarqué, c'est de choper toutes les télécommandes en évitant ces obstacles qui sont des sortes de trucs bizarres là, qui tournent. Je saurais même pas dire ce que c'est. C'est vraiment un copier-coller du gameplay de VVVVVV. Pour l'instant, je ne vois rien de plus. Vous le sentez aussi, n'est-ce pas? La physique est bien. Enfin, ça va, voilà. C'est simple, mais au moins, c'est pas relou. Pour l'instant, le personnage, il va exactement là où je pense l'envoyer, donc. C'est ce qu'on attend d'un platformer. La hitbox est pas trop serrée. L'effet télévision années 80 avec les trucs de merde, ça gâche pas trop l'image. Pour l'instant, c'est pas déplaisant. Ah, on peut. Ah, d'accord, bon, c'est bizarre. Tout va bien. On dirait qu'ils font du renforcement positif, je ne sais pas. Ils se foutent de la gueule des. Peut-être des pubs à l'époque. Ah, merde, je me suis fait baiser. La zig, ça va, elle est pas trop saoulante. C'est un peu space, mais ça passe. En regardant les images du jeu, je m'attendais à bien pire. Il n'y a rien à craindre. Quelle est votre couleur préférée? Mais c'est quoi cette phrase débile? L'ambiance, en tout cas, on pourra se dire ce qu'on veut, l'ambiance est très spéciale. Just brief. Ça se complique.
J'essaie de trouver le meilleur moyen. Mais c'est vrai que comme il chute pas trop vite, on a le temps de réfléchir. On a le temps de bien viser, je veux dire. Bah, ouh! Ah voilà, je me suis complètement chié dessus là. Je me suis fait dessus. Oh mon dieu. C'est mon frère. C'est quoi ce jeu? C'est un jeu de plateforme chelou où tout ce que je fais c'est changer la gravité, on va dire. Ce n'est pas une idée neuve, mais... Voilà, si tu veux, là, je suis en train de tester des petits jeux. Des petits jeux, non, des jeux indés. Petit jeu n'est égal... Ça, c'est un petit jeu, mais dans les jeux indés, il n'y a pas que des petits jeux. Bref. Et celui-là est particulièrement chelou, je t'avouerai. Vraiment y aller par un coup. Ce niveau là est un peu relou là. Oh, j'ai failli crever là. Alors le but c'est de ramasser les télécommandes pour arriver sur les pour allumer la télévision. Voilà voilà voilà. Mais c'est pas nul, tu vois. C'est pour l'instant je. Pour l'instant le fun est présent. Le fun est présent. Même si la musique elle me saoule un peu. Et que l'image elle me nique un peu les yeux. Oh mon dieu. Alors, ah, il rajoute. D'accord. Il y a des sortes de. Je ne sais pas quoi, des, on dirait des balles. Je sais pas quoi, qui traversent l'écran. Et c'est pas très gentil. Ok. Alors, d'après ce que j'ai lu dans la description, le jeu est assez court. Genre, une demi-heure, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être. Et ça, je peux le toucher ou pas? Ouais. Bien. Clair comme un matin de printemps. Qu'est-ce que le fuck? Ensoleiller mon cerveau. Putain, faut pas avoir mes fûts avant de jouer à ce jeu sérieux. C'est un peu plus dur ici pour calculer les fenêtres de tir là. Ouh! Oh, mais je l'ai même pas vu arriver celle-là. Ah. Moi, j'en suis même pas rendu compte. Ah, la musique s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Elle va recommencer ou c'est terminé? Ah, quand même.
Il était chaud celui-là. C'est pas à propos l'argent. Oula. Traduction de l'enfer. Ah d'accord. Ah, j'ai. Les fonds d'écran sont vraiment débiles. Hein. Trop chelou. Ah y'a un challenge quand même là, j'aime bien. Ah merde. Ok. Quel abruti. Alors ce jeu on va pas le tester très longtemps, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait comme il dure, dans la description c'est écrit qu'il dure environ une bonne demi-heure. Donc j'ai pas envie de vous montrer l'intégralité du jeu si vous voulez. Là on a fait une bonne découverte, on sait de quoi il en retourne. On va essayer d'en refaire encore un ou deux. Et puis on pourra passer à Shio. Voilà. Shio qui est d'un tout autre quand même voilà, niveau on va dire. Ah c'est pas la même voilà, c'est pas la même envergure. C'est un plus gros jeu déjà. La musique est pas dégueu, franchement, j'aime bien. Ça va. Oh la vache. Bon allez. C'était donc Aesthetic Melody, disponible à 3$ sur Steam depuis le 18 avril. C'est un petit jeu sympa. Voilà, franchement. Je l'aurais mis à 1$ personnellement, mais bon, 3$. Peut-être qu'en promo, il coûtera peut-être 1$ et voilà, il passe. Il passe.